Le premier ministre chinois Li Qiang a rencontré la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, à Pékin vendredi. Li Qiang a déclaré que l'économie chinoise avait continué à se redresser depuis le début de l'année 2023. À l'avenir, la Chine renforcera encore le soutien politique pour faire avancer la réforme et l'ouverture. Des mesures seront également prises pour optimiser l'environnement commercial pour les investissements étrangers. Georgieva a déclaré que l'économie chinoise contribuait pour un tiers à la croissance économique mondiale. Le FMI souhaite travailler avec Pékin sur les questions internationales, y compris le maintien d'une chaîne d'approvisionnement mondiale stable.